دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours. Et avant d'introduire le nouveau hadith de ce noble ouvrage, nous souhaitons terminer et conclure les bénéfices tirés du hadith du prophète alayhi salatu wa salam, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. Et nous avons vu que le commandement, au dernier cours nous avons terminé par cela, que le commandement du bien et l'interdiction du mal fait partie de cette religion et des choses qui concernent tout croyant selon sa capacité, et que cela doit se faire avec sagesse, avec science, sur les choses que la personne maîtrise. Car il y a des personnes qui pourraient comprendre de ce hadith qu'il ne doit se soucier que de sa propre personne et délaisser les autres et non des autres, ni de ne pas s'occuper des autres et de leur recommander le bien et de leur interdire le mal. Et ceci n'est pas correct dans l'absolu, car tu contribues au bien et à la guider des gens. Tu es une cause de bien. Que le musulman soit une cause de bien, une cause de pratique de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, et de délaissement de ce qui lui a interdit. Et le fait de se comporter des meilleurs comportements et d'appeler à l'islam, ne serait-ce que par ton bon comportement au travail, autour de toi, dans ta famille, et tout cela est une cause de bien, et chacun selon sa capacité, et cela bien évidemment avec science, avec sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal dans le verset 104 de surat Al-Imran, قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل il dit qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé par la loi et interdise ce qui est réprouvé, et ce sont eux qui réussissent. Donc cela montre le bienfait et le mérite d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à tout bien, comme Cheikh Al-Sa'di rahmatullah alayh, il dit: le bien, al-khayr, désigne tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et éloigne de son courroux, tout ce qui peut rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui éloigne la personne de la colère d'Allah Azza wa Jal, et qui amène à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, parmi ceux qu'il agrée, parmi les actes et les paroles dont il aime, il agrée subhanahu wa ta'ala, tout cela fait partie du bien, et que la personne se doit d'appeler les gens afin que les gens profitent de ce bien, de ce bienfait de l'islam, et goûtent à la saveur de la foi, au bienfait de la foi, de l'islam, et l'accomplissement des bonnes actions. Chacun doit contribuer selon ses capacités, avec sagesse, science, selon ce qu'il connaît de la religion d'Allah, doit contribuer à ce bien-là, afin que le bien se répande et que le mal diminue. Fait partie aussi des bénéfices que l'on peut tirer de ce noble hadith, le fait de délaisser ce qui n'est pas profitable ici-bas. Le fait de délaisser ce qui n'est pas profitable ici-bas est à plus forte raison dans l'au-delà. Ce qui n'est pas profitable dans sa vie d'ici-bas, délaisse-le, car cela ne te concerne pas. Et à plus forte raison, ce qui n'était pas profitable dans l'au-delà, car la personne sera jugée sur chaque chose accomplie dans ce bas monde. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a orientés à délaisser ce qui nous ne concerne pas, car il n'y a aucun profit en cela,
que cela concerne les affaires de la vie mondaine tout comme les affaires de la vie religieuse. Et ce sera une cause de regret au jour de la résurrection que la personne a accompli des choses mauvaises ou est entrée dans des choses qui ne la concernent pas ou a nui à autrui, comme la calomnie, la médisance, car beaucoup de choses se produisent de telles, la calomnie, la médisance, en se mêlant de quoi ? En se mêlant des affaires qui ne la concernent pas. Quand tu rentres dans des affaires qui ne la concernent pas, tu es amené à commettre ce genre de choses qui font partie des grands péchés, le fait de commettre la calomnie, la médisance. Et la personne, elle sera jugée sur tout cela. Donc la personne, elle se doit de se priver, de s'abstenir, d'entrer, de se mêler des choses qui ne la regardent pas, et plus encore, de commettre des choses qui sont graves en religion, comme la calomnie, la médisance et tout autre chose, l'espionnage et tout autre chose. Parmi les bénéfices aussi à tirer de ce noble hadith, c'est une faiblesse en termes de religion, le fait de se mêler de ceux qui nous regardent pas. Yani, le fait de se mêler de ceux qui nous ne regardent pas. Car le prophète sallam, il a dit, fait partie du bel islam de la personne de quoi ? De délaisser. Donc si la personne elle s'en mêle, le prophète sallam, il a fait partie du bel islam de la personne de délaisser ceux qui ne la concernent pas. Ce qui veut dire que s'il accomplit le contraire, eh bien cela prouve une faiblesse en termes de sa religion et une non-perfection et complétude de sa religion. Donc le fait de prendre garde à cela. Parmi aussi les bénéfices que l'on peut tirer de ce noble hadith, la préservation de l'intimité des individus en islam. Et ça, c'est important. On est de préserver l'intimité, de ne pas entrer dans ceux qui ne nous regardent pas. La personne qui rentre dans le couple des gens, dans l'intimité, la vie privée des gens, en posant de nombreuses questions, ou dans la vie des voisins, ou dans la vie, et que ce sont les assises dans lesquelles on parle, les choses dans lesquelles on parle de manière quotidienne, de la vie privée d'un tel, de la vie privée des voisins, ou d'un tel où il est parti, pourquoi il est parti, quelle est la raison dont il est parti, et toute autre question avec curiosité, espionnage. Tout cela ne fait pas partie des choses qui sont louables, mais ce sont des choses qui sont demandées de délaisser et qui sont nuisibles à la personne et qui diminuent de la perfection de sa religion et qui l'amènent à entrer dans des péchés qui sont plus graves encore. Car beaucoup de choses de cela amènent la personne à la calomnie, à la médisance. Le fait de parler en mal sur ton frère d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence, l'espionnage. Et c'est pour ça qu'Allah il a mis en garde contre cela. Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-hujurat, dans le verset 12, Allah azza wa jalla il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah عز وجل dit: Ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchées. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns envers les autres. Et regardez après, Allah il a donné la description de celui qui commet la médisance, c'est-à-dire qui parle de son frère en son absence d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence. Regardez la description qu'Allah il a donnée de celui qui accomplit cela. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Eh bien ça, c'est l'exemple de quoi? De la médisance. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Donc on voit les nombreux bénéfices que l'on peut tirer de ce noble hadith en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de mettre en pratique ce qui a pu être lu et expliqué de ce noble hadith.
de ce noble hadith. Puis par la suite, nous introduisons et nous entrons dans le 13e hadith de ce noble ouvrage. Ce hadith عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Ce hadith traite d'un sujet important et dont on a tous besoin de méditer et de mettre en pratique. Ce hadith traite de la fraternité en islam et qui s'est peut-être perdu chez beaucoup de personnes. Ce hadith traite de la fraternité en islam et de son impact sur la foi. Si tu souhaites parfaire ta foi, alors tu dois aimer pour tes frères. Tu dois aimer pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. Tu dois aimer pour tes frères ce que tu aimes toi pour toi-même. Que ce soit dans les affaires religieuses, tout comme dans les affaires mondaines. Donc regardez le sujet de ce noble hadith et qui amène la personne à se réformer, à se corriger, à vouloir et faire l'effort de vouloir le bien pour ses frères en islam comme il le veut pour sa propre personne. Ce noble hadith rapporté par ce noble compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et sa parole Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik al-Ansari est appelé le serviteur du prophète alayhi salatu wa sallam. Il est appelé Anas ibn Malik le serviteur du prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam arriva à Médine, Malik, le père de Anas, s'enfuit de Médine. Pourquoi il s'enfuit de Médine? Car il détestait le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il a pris la fuite, il est parti. Il est parti pour où? Pour Asham. Asham, c'est la région qui englobe la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban actuel. Donc il s'enfuit, il a pris la fuite. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé à Médine, il a pris la fuite, il s'est enfui pour le Sham, et la raison de cela c'est qu'il détestait le prophète alayhi salatu wa sallam, et il mourut à cet endroit mécréant et Anas radiallahu anhu, qui était encore un petit enfant, sa mère radiallahu anha, et cela montre la piété et l'envie de bien de cette noble femme radiallahu anha, qui l'amena au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était encore petit. Et qu'est-ce qu'elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam? Voici Anas, il va te servir. Elle l'a confié au prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, le meilleur messager. Regardez. Et pourquoi cela? Afin qu'elle prenne, que cet enfant s'éduque dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, à proximité du prophète alayhi salatu wassalam, dans la maison de la prophétie,
Donc il ne va pouvoir que acquérir de bonnes choses, de bonnes qualités. Et le prophète alayhi salatu wa salam l'accepta et l'éleva. Il s'est occupé de lui alayhi salatu wa salam, et il a même invoqué en sa faveur, d'une invocation qui se concrétisa. Il a dit alayhi salatu wa salam: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytah. Ô Allah, accorde-lui beaucoup de biens et d'enfants et bénis-lui ce que tu lui accordes. Il a réellement eu une grande richesse et de nombreux enfants par l'invocation du prophète alayhi salatu wa salam. Et il fut, Anas radiallahu anhu, il fut au service du prophète alayhi salatu wa salam pendant 10 années, de son arrivée à Médine jusqu'au décès du prophète alayhi salatu wa salam. Et de ce fait là il obtient de grandes vertus et un haut rang et un rang méritoire radiallahu anhu. Pourquoi? Car il fut élevé par le prophète alayhi salatu wa salam. Donc il peut que n'avoir une éducation pieuse, saine et bénéfique. Le fait qu'il a tiré tout ce bien de l'éducation et du fait que le prophète alayhi salatu wa salam l'éleva, et tout ceci découlant de la bonne conduite de sa mère radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, qui était une femme pieuse et qui a fait ce choix de le confier au prophète alayhi salatu wa salam afin qu'il récolte tous ses bienfaits. Donc on voit l'importance aussi de la femme en islam et du mérite de la femme en islam et de l'éducation de la femme en islam et de ses choix, de ses nobles choix qui ont des répercussions énormes dans la vie du couple, ont des répercussions énormes dans l'éducation des enfants, la femme en islam. Et le fait de tirer pour nos sœurs l'exemple de ces pieuses femmes ainsi que des épouses du prophète alayhi salatu wa salam dans leur piété, leur droiture, leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, leur unicité d'Allah et sincérité envers Allah azza wa jal dans l'adoration, elles sont des exemples. Et la parole du prophète alayhi salatu wa salam, qui a été rapportée par ce noble compagnon Anas ibn Malik, qui a vécu dans et qui a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rapporte ces paroles précieuses et bénéfiques à toute la communauté. Sa parole, alayhi salatu wa salam: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant. Cela veut dire que sa foi ne sera pas parfaite. C'est-à-dire la négation de la parfaite foi, c'est-à-dire de la complète foi. Et ce qui est voulu, c'est cela. Ce n'est pas la négation de la base de sa foi. Non. Ce qui est voulu dans ce hadith, c'est la négation de la foi parfaite. Car ce qui va venir dans le hadith prouve cela et prouve que ce hadith ne s'oppose pas à la base de la foi, mais cela s'oppose à sa perfection. Car la foi, la définition de la foi, est une parole qui est prononcée par la langue, une croyance du cœur et des œuvres avec le corps, avec les membres. Elle augmente en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance à Allah azza wa jal. Et parmi les choses, et cela selon les actes et les œuvres des gens, yani la foi, plus la personne elle augmente en adoration, et cela est ressenti surtout dans les périodes où l'adoration augmente, comme par exemple au mois de Ramadan. La personne qui va à la prière nocturne
qui s'efforce, aux jeunes qui s'efforcent à baisser le regard dans les choses qui sont interdites, à s'abstenir de l'écoute des choses qui sont interdites, à l'augmentation du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'évocation d'Allah azza wa jal, surtout par la lecture du Coran, la méditation du Coran, il voit sa foi augmenter. Car la foi, elle augmente par les bonnes œuvres. Et quand la personne, elle s'adonne et elle transgresse les limites d'Allah par les interdits, le fait d'écouter les interdits, de regarder les interdits, de s'adonner aux interdits et toute autre chose, elle voit que sa foi diminue. Ce qui amène la personne à prendre garde et à entretenir sa foi. Et parmi les choses qui amènent à la foi, et à l'augmentation de la foi, et à la complète foi, la parfaite foi, il y a ce qui est mentionné dans ce noble hadith, qui est le fait que tu aimes pour ton frère, tu aimes pour ton frère, tout comme pour ta sœur, la sœur aime pour sa sœur, pour son frère, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça, c'est une règle. Ce que tu aimes pour toi-même, tu dois l'aimer pour ton frère. Tu dois l'aimer comme tu l'aimes pour toi-même. C'est-à-dire que ce que tu aimes pour toi-même comme bien, parmi les affaires religieuses, tout comme parmi les affaires mondaines, alors tu dois l'aimer pour ton frère. Et ceci afin de quoi? Afin de parfaire ta foi. Et ceci afin de parfaire ta foi, comme il est venu dans ce noble hadith, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant, c'est-à-dire la foi parfaite, avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et cela signifie que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, sa foi sera incomplète et elle sera déficiente et diminuera en fonction de cela. Et ce n'est pas ici ce qui est voulu, le frère de sang. Non. Son frère, tout musulman. Tout musulman. Pourquoi? Car les croyants, ils sont des frères en islam. Allah Azza wa Jal, il dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Donc la personne, elle doit aimer pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même. Le bien qu'il aime pour lui-même. Car les musulmans sont comme une seule âme et un seul corps. Et ça, c'est un grand sens. Allah, il nous donne la mise en pratique de cela. C'est-à-dire tous ceux qui sont touchés, les musulmans qui sont touchés par une affliction, une peine, une épreuve, une tristesse et autres, eh bien la personne, elle ressent cela. Et elle a une part de ressenti et de mal, car les musulmans sont une seule et même corps. Donc tous sont peinés par les afflictions, ce qui peut toucher les musulmans et nos frères en islam. Et aussi, ils se réjouissent, le croyant, il se réjouit de la joie de ses frères en islam quand il leur arrive quelconque bien, à quel endroit que ce soit. Quand il y a une peine, un mal qui touche les musulmans, tu es touché. Car les musulmans sont tous et un même corps. Et tu invoques pour eux en leur faveur. Tu invoques secours pour eux, pour qu'Allah il les secours. Et fasse passer le mal qui les a touchés. Et quand il leur vient un bien, dans quel endroit que ce soit, bien tu te réjouis de cela. Et aussi ils tirent profit les uns les autres. Et ils s'entraident dans le bien. Et se repoussent le mal les uns les autres. Tels sont les musulmans, qu'Allah nous accorde ces qualités. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.